Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo concours. Oui, on a passé la barre des 1000 abonnés, ça me fait vraiment trop trop plaisir. Merci beaucoup. Et pour vous remercier, je vous ai concocté un concours pour vous gâter. J'avais envie de vous faire plaisir. Donc, j'ai tout le contenu ici dans cette jolie boîte. Elle est quand même assez lourde. Donc, voilà, je vais vous présenter le contenu de ce que je vous ai préparé. Et toutes les conditions pour y participer également, donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour la découvrir. Mais avant tout ça, je tenais déjà à vous remercier parce que vraiment ça me fait vraiment trop trop plaisir. Vous imaginez pas, 1000 abonnés, bien sûr, ça peut être peu pour certains, c'est vraiment rien du tout, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Derrière ces abonnés-là, bah, il y a du travail, il y a de la passion avant tout. Je fais ce que je fais par passion. Derrière ça, ben, je consacre du temps, voilà, les montages, tout ça. Je pense que les créateurs de contenu savent à quel point c'est compliqué de se lancer sur YouTube en ce moment, parce que YouTube a ses propres algorithmes. Donc, la seule manière de savoir à quel point ce que je fais, ben, ça vous plaît, ça vous intéresse, ben, c'est par les abonnements, par les likes que vous faites. Par les commentaires, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous venez de débarquer sur ma chaîne, vous découvrez ce que je fais et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Activez surtout la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos quand je les sors. Ça, voilà, pour me soutenir, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette chaîne continuera à grandir et j'essaierai de voilà, donner toujours le meilleur avec des avis honnêtes. Objective sur ce que je fais. Sans plus tarder, on va parler du concours en soi. Donc, pour des raisons qui sont propres à YouTube, je pense que vous savez, hein, c'est interdit les concours sur YouTube. Donc, je vous demanderai de passer sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. À mon compte, c'est Universe. Et je vous remettrai les conditions. De toute manière, toutes les conditions seront remises en barre d'infos. Ils seront remis également sur Instagram. Je posterai cette photo qui s'affiche juste là. Et donc toutes les conditions seront sur cette photo-là. Mais il faut être abonné à mon compte YouTube. Bien sûr, c'est un concours pour les 1000 abonnés. Likez cette vidéo. Être abonné aussi à mon compte Instagram. M'envoyer votre screen de la preuve que vous êtes abonné sur mon compte YouTube par message sur Insta. Et m'indiquer votre participation sur Instagram en commentaire. Et c'est également sur Instagram que je vais vous contacter pour vous annoncer si vous êtes gagnant. Et c'est sur Instagram que je vous annoncerai en story, bien sûr, le nom des gagnants. Ce concours durera 2 semaines. Et voilà, tout simplement. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et j'espère que ça vous plaît autant. Et ben, c'est parti pour l'unboxing de ce concours. Donc, je vous l'ai mis dans cette boîte comme ceci. La boîte, elle vient avec. Hein. C'est une boîte que j'ai achetée chez BM. Et tadam, tout le lot est à l'intérieur. Je vais commencer par cette palette. Je vous ai mis cette palette donc de Beauty Bay à l'intérieur. Il s'agit de la Sunset Horizon. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais ça me semble naturel. Tous les produits que je vous offre sont neufs, jamais utilisés. Ça me paraît improbable de vous proposer des produits que j'ai déjà utilisés en fait. Mais voilà, sachez, ils sont tous neufs. Donc, la palette Sunset Horizon de Beauty Bay en fait partie. Elle est comme ceci. Voilà, j'ouvre pour vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Si vous me suivez sur Insta, je l'ai déjà fait gagner également sur Insta. Et j'ai cette deuxième que je n'ai jamais utilisée que je vous fais aussi gagner. Regardez les couleurs, elles sont juste magnifiques. Vraiment de très très jolies couleurs. Il y a vraiment de tout. Avec un grand miroir en bas. Je vous mets également cette palette de Huda Beauty. C'est une palette pour le teint, c'est une palette d'highlighter, c'est la Summer Highlight Palette qui est comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, voilà. Voilà en ce qui concerne la palette. Donc c'est une palette de teint, une palette highlighter. Toujours en termes de palette, je vous mets cette petite palette que j'ai eue dans une box Blissim, mais que je n'utilise pas. C'est la Chela, la Vie Neutrale Eyeshadow Palette. Donc c'est en taille voyage, c'est 4 fards comme ceci.
Je l'utilise pas, donc je l'ai jamais utilisée d'ailleurs. Et je préfère vous la faire gagner. Je termine avec les produits pour les yeux. Je vous ai mis aussi un fard Colourpop. C'est les Super Shock Shadow. C'est un de mes fards à paupières préférés. C'est une texture entre la crème et la poudre, très soyeux. Et regardez-moi cette teinte, trop trop belle. J'aime beaucoup beaucoup. C'est la teinte 20K1. Je vous mets aussi en fard mono ce fard de chez Kiko. C'est un fard crème de la collection Lost in Amalfi. Et c'est dans la catégorie métal chrome. Et il se présente comme ceci. Ce sont des dupes des fards Charlotte Tilbury, si vous connaissez. Presque un petit peu les mêmes couleurs, mais différentes textures et différents finis. Et voilà pour les produits pour les yeux. Je vous mets aussi cette paire de fossiles de chez ELF qui vient avec la colle à l'intérieur. C'est la Dramatique Lash Kit. Donc voilà pour les produits pour les yeux. Il me semble, je vais passer aux produits pour les lèvres et je vous en ai mis pas mal quand même. Je suis une vraie lipstick addict. Déjà, je vous ai mis ce rouge à lèvres en crème, rouge à lèvres liquide de chez Nabla, qui est comme ceci. Voilà. Vous pouvez voir la teinte hein, à travers, je ne vais pas vous le swatcher. Donc, c'est la teinte Noblesse Obligée. Il y a déjà ça. Je vous fais aussi dans le lot ce rouge à lèvres aussi de Huda Beauty. C'est un rouge lip strobe. C'est un gloss métallique. Voilà. Et c'est la teinte Moody. Je vous mets toujours de chez Huda. Ce rouge à lèvres aussi en teinte négligée, c'est leur Diamond Balm. Je vous l'ai présenté dans un haul, il me semble celui-ci, où j'avais fait un unboxing de la Mystery Bag de Huda Beauty. En fait, je l'ai déjà. J'aime beaucoup ce produit, il est super beau et je l'ai déjà la même teinte en double. Donc, c'est pour ça que je vous la mets en concours. Regardez, il est vraiment magnifique. Chez Shiglam, je vous ai mis ce gloss-ci. C'est un gloss de la collection Spring It On. Et j'ai mis la teinte Expresso pour vous. Je vous ferai bientôt une vidéo sur Shiglam. Et voilà à quoi ressemble le gloss en fait à l'intérieur. Toujours pour les lèvres, je vous mets ce gloss-ci que j'ai eu dans ma dernière box Blissim. C'est le MAC Beauty, je ne connais pas cette marque, mais je ne vais pas l'utiliser, donc je préfère vous la faire gagner. Et pour finir avec les lèvres de chez Shiglam, je vous mets aussi ce rouge à lèvres aussi, que j'ai en double en fait. C'est la teinte Level Up. Et il se présente comme ceci. Et en fait, c'est impressionnant ces gloss-là. Je vous en parlerai dans ma vidéo, je pense. Mais c'est vraiment comme les produits de NYX qui a fait le buzz récemment là. Vous savez, c'est ces lacs à lèvres très brillants, très pigmentés, mais qui ne se transfèrent pas. Voilà. Donc un rouge à lèvres glossy, mais qui ne se transfère pas. Mais il y a vraiment la même chose chez Shiglam. J'ai pris toutes les teintes. Et voilà pour ce qui concerne les lèvres et le make-up en fait, en général. Et voilà, je tenais quand même à vous faire gagner des soins parce que je sais que parmi mes abonnés, il n'y a pas toutes les make-up addicts comme moi. Donc, au niveau des soins, je vous ai mis cette crème de la marque SVR. C'est une crème légère qui convient normalement à des peaux normales à mixte. On est sur du 40 ml made in France. C'est une crème que j'ai eue dans une box Look Fantastic et je ne vais pas l'utiliser. J'ai déjà beaucoup trop de crème. Elle est neuve, hein. Elle n'a jamais été utilisée. Je ne l'ai même pas regardée. Mais je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, je vous la mets dans le lot. Je vous mets un masque à l'argile que j'ai eu chez Sephora, c'est un cadeau gold, mais je vais pas l'utiliser. Donc c'est un masque à l'argile violette, il y a pour 4 utilisations à l'intérieur. C'est ces masques en gourde comme ceci. Je vous mets aussi pareil un masque toujours de Sephora. Cette fois-ci c'est un masque pour les cheveux, un masque de nuit coco. Je le connais déjà, il y a une charlotte avec et vous avez le produit.
Ils sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vous le fais gagner. Toujours dans les masques, j'aime beaucoup moi les masques en tissu. Donc je vous en mets quand même pas mal. Je vous en mets un pour les lèvres comme ceci. C'est de la marque Radial Dragon Blood Lip Mask, donc pour les lèvres. Je vous en mets un deuxième ici, Mathilde Cabana. Toujours un masque hydratant pour les lèvres. Je vous mets un masque After Sun hydratant à utiliser en fait après les expositions au soleil. Il est enrichi à l'aloe vera et il est vraiment super bien. J'en ai pas mal de ces masques là. Et je vous mets deux petits lots de masques comme ceci. Il y en a un, vous savez, c'est ces masques chez Action avec des petits visages comme ça. Et là, c'est un masque aux œufs en fait pour illuminer la peau. Et je l'ai déjà testé et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, je vous mets quelques masques que j'aime bien faire aussi dans ce lot là. Je termine ce concours avec des produits de Yves Rocher. C'est un lait corporel, c'est l'une de mes senteurs préférées chez Yves Rocher. C'est l'argan et la rose qui est comme ceci. C'est du 200 ml. Donc là, c'est le body lotion et je vous mets la crème pour les mains qui va avec. Ils sont vraiment bien hydratants, cette gamme là j'aime vraiment beaucoup, que ce soit pour le gel douche. Donc voilà, je vous fais découvrir aussi si vous ne connaissez pas. Et j'ai tout un sac ici dans ce pochon Huda Beauty où je vous mets pas mal d'échantillons, hein. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vous mets trois produits comme ça, du parfum Idol de Lancôme. Ah oui, je vous mets deux produits Rare Beauty. C'est des baumes à lèvres Rare Beauty. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. J'en ai eu trois comme ça. Et l'un, ben, je l'ai testé avec vous. Mais ils sont vraiment pas mal du tout. Comme ceci, c'est les baumes à lèvres. Et j'en ai deux autres que j'utilise pas. Donc, bref, je ne vais pas les présenter ici, hein. C'est des échantillons comme ça. Huda Beauty, je vous en mets deux. Des échantillons du produit Gucci dont je vous ai parlé récemment. Là, vous avez des échantillons de Rare Beauty, une marque dont je vous en ai parlé aussi. Des petits échantillons Wishful de Huda. Tout ça, je vous le mets dans cette petite pochette. Et voilà, j'ai fini pour l'unboxing de ce que je vous fais gagner pour ce concours. J'espère vraiment, vraiment du fond du cœur que ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir. Et encore merci d'être là et de regarder mes vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Bon concours et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.